Allô, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la reine d'Angleterre. J'ai regardé le discours de la reine d'Angleterre hier, un discours qui était préenregistré. C'était un discours, en fait, de soutien à son peuple anglais qui traverse une période difficile, bien sûr, comme tout le monde en Europe, due à cette fâcheuse maladie. Elle soutenait son peuple et les appelait à être soudés et à suivre les directions du ministère de la Santé, c'est-à-dire ne pas aller dehors, ne rester à distance l'un de l'autre. Et elle appelait le monde à n'avoir pas peur et à être fort devant l'adversité. Ce qui était plus notable, c'était plutôt les commentaires sur les sites internet, les commentaires adressés à la reine. Il y avait certains qui étaient très positifs et qui la remerciaient d'avoir unifié le pays en ce moment de difficulté, mais il y avait plein d'autres qui l'insultaient, vraiment qui l'insultaient, qui la traitaient de tous les noms, de vipère, de zombie, qui la traitaient de voleuse d'argent, en parlant bien sûr de l'histoire de la famille royale qui prenait l'argent du peuple il y a des siècles et des siècles, certains lui demandant de donner l'argent de sa fortune pour aider à soulager la situation. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a à peine 4 ans, ce genre de message ne pilulait pas autant. Il y avait certains qui étaient contre la monarchie et qui laissaient de temps en temps de messages ça et là, mais la plupart, c'était toujours des messages de soutien, d'amour vers elle. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus de messages vraiment horribles, des messages d'une laideur incroyable. Surtout que pour une femme qui a 93 ans, vraiment, je trouve ça répugnant. Donc je me suis posé la question à savoir quand est-ce que le shift s'est fait, quand est-ce que le changement est apparu. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, elle subit le même traitement que Meghan Markle sur les forums ou dans les sites, c'est-à-dire que Meghan Markle, quand son nom apparaît, tout le monde se jette dessus, je parle de ceux qui la détestent, hein. L'insulte, la traite de tous les noms. Maintenant, c'est la reine, le nom de la reine qui, à chaque fois qu'il apparaît, il suscite ce genre de réaction. Alors qu'avant, peut-être il suscitait, mais il n'avait pas le courage d'aller s'exprimer autant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi les gens se laissent aller à ce point? Ce qu'il faut savoir, c'est que en Angleterre, il y a des royalistes, il y a les républicains, il y a ceux qui s'en fichent. Royalistes, ils sont pour la royauté, ils ont toujours voulu une royauté, ils veulent maintenir cette présence-là de la famille royale. Il y a les républicains qui s'en fichent, qui sont pour l'égalité entre les peuples, entre les êtres humains. Ils trouvent que qu'il y ait une famille royale avec des droits qui leur sont conférés par Dieu, qui se sentent supérieurs aux autres, ne devraient pas être. Donc, ils sont contre la famille royale. Ces deux groupes qui, d'habitude, ne se rejoignent pas, qui ne s'aiment pas du tout, qui se tapent même souvent sur les forums, se sont réunis sur un point, c'est-à-dire Meghan Markle. Donc, les républicains, qui, je pense, même s'ils n'en avaient rien à faire de Meghan Markle, se sont servis d'elle pour pouvoir atteindre la famille royale. Et les royalistes qui vraiment détestent Meghan Markle parce qu'ils ne veulent pas qu'une personne comme elle entre dans la famille royale. Quand je dis qu'une personne comme elle, c'est-à-dire une personne métisse, divorcée, ça les énerve. Mais c'est l'aspect noir qui embête plus qu'autre chose. Donc, ils se sont réunis pour insulter Meghan Markle et faire tout, mettre la pression pour qu'elle puisse partir, ce qui a été le cas, ce qui est arrivé. Les royalistes se sont arrêtés, mais les républicains ont continué. Les royalistes, après le départ de Meghan Markle, n'ont pas transféré leur haine, leur insulte sur la reine. Ils se sont arrêtés là, alors que les républicains ont eu le courage, après s'être exercé sur Meghan Markle, de transférer ces insultes sur la reine d'Angleterre. Donc voilà, les royalistes sont perdus dans ce sens-là parce qu'ils ont permis aux républicains d'avancer leur idéal d'Angleterre, pays républicain avec un président et non plus avec une reine. Donc là, il y a un débordement de la situation où maintenant les républicains, on a l'impression qu'ils sont plus vocaux, on va dire, plus vocales que le reste de la population. Et c'est un retour de bâton en vers les royalistes qui de plus en plus se rendent compte qu'ils ont fait une connerie, mais au lieu de l'accepter, ils disent que voilà, c'est à cause de Meghan Markle qu'une telle chose arrive, parce que quand elle n'était pas là, personne n'osait insulter la famille royale. Mais ce qu'ils refusent d'accepter, pourtant ils le savent, c'est que ben voilà, vous avez ouvert les portes de l'enfer, et maintenant c'est ça qui se répand au-delà de ce que vous avez espéré. Voilà, c'est mon analyse en fait de la réaction qu'ont eu certains Anglais face au discours de la reine. C'est mon commentaire, n'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires s'il vous plaît. Merci beaucoup et au revoir.